Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Nous voici sur un nouvel épisode, l'épisode 13 de Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. On se retrouve après avoir fini la mission numéro 12, celle pour sauver, plutôt extrader, un scientifique qui mettait au point des armes militaires pour le compte de Skull, je sais pas trop comment on prononce. Et donc, on va continuer les missions principales en essayant de voir si je les ai débloquées ou s'il y a des événements un petit peu au niveau comment. Des fois, il y a des quêtes secondaires qui en fait sont liées directement à la quête principale, au déclenchement d'une quête principale. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, nouveau tuto, je vous mets sur l'écran et on voit ça. Alors, attendez. Je sais plus c'est quel bouton. Voilà. Donc, constituer des unités et les envoyer en mission. Envoyer les hommes de votre unité de combat ou d'autres unités et capturer des véhicules en mission pour obtenir des PIM, des ressources et même des recrues. D'accord. Donc, déploiement combat. Nouvelle mécanique de gameplay. Les récompenses des missions de terrain varient selon l'objectif et la difficulté de la mission. Étudiez soigneusement les probabilités de succès, les pertes prévues et les récompenses avant de choisir. Donc là, c'est 100% de réussite. Par contre, on a 50% de chance d'avoir un volontaire de catégorie D à E, ou plutôt de E à D, vu que c'est du plus faible au plus fort. Et donc, on va protéger le VIP. Choisissez le niveau du personnel avec lequel vous voulez constituer l'équipe qui partira sur le terrain. Appuyez sur Y pour voir l'équipe et effectuer des modifications éventuelles. Ok, donc là il faut capacité de combat 50 chez l'ennemi. Et nous on est à 479 sur la première équipe. Et plus on descend dans les. Dans le... Bon, ça va céder en vrai. Ouais, je vais envoyer CD. Ça change pas grand-chose en fait, on est à 95% dans les deux cas. Donc autant si je perds des unités, autant que ce soit des plus faibles. Recevrez une notification donc dans 6 minutes. Voilà. Ok, donc c'est pour gagner des ressources plus facilement, des choses comme ça. La Mother Base, alors, gestion de la base. Normalement, je devrais avoir assez de ressources pour créer un nouvel élément. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? L'unité de combat. Non, c'est plateforme R&D que je veux, moi. Elle est déjà niveau 1. Ça coûte 4000 en plus, hein. Mais la R&D, c'est important, hein. C'est ce qui va me permettre de débloquer les armes, de débloquer pas mal de trucs. Voilà, on va faire ça, hein. Commencing platform construction. Voilà. C'est quoi ça, dev? Plateforme équipée pour accueillir l'unité de développement de la base. Je sais pas du tout ce que c'est. On va la prendre. Commencing platform construction. Voilà. Donc j'ai plus assez, mais maintenant j'ai. C'est quoi ça? Ouais. Bon, c'est déjà bien. J'ai bien amélioré la base déjà. J'aurais voulu être un artiste, mais j'aurais surtout voulu que mon silencieux se remette. Je sais pas comment on fait, ou alors faut que je parte en mission et comme ça ils vont me reset automatiquement. Liste des missions. Ici je peux pas, et là j'en ai que 12. Ah! Épisode 13, Nuit Noire. Ok, donc on va aller à l'hélico et on va partir sur cette mission. Mais j'ai l'impression que plus ça va, les gars, et plus les missions elles sont longues. Je vais manger, je laisse ton live tourner sur mon tel. Mais je serai pas là. Ok, bah bon appétit, gamer. C'est très étincelant l'histoire de ce jeu. Je suis tout à fait la suite. Ce sera très bien, je suis sûr. Ouais. Je suis d'accord que la suite, ça promet pas mal de choses. Ah, il arrive dans 2 minutes. Au pire. Ouais. Oubliez ce que j'ai dit.
Alors. Mission Boss, I've been meaning to tell you something. Ah, que voulais-tu me dire? Zero hasn't been seen in public since you left the States. That was over 10 years ago now. You suspected he was responsible for the accident at your base in the Caribbean. But at that point, Zero was already bedridden. So it never felt right to me that Zero gave the order. Now that I've seen the man Emmerich was working for, I'm sure he didn't. I know that man. He was our old friend's XO. A man without a face. Not one you want to look at anyway. Skullface. He's the one who destroyed your base 9 years ago. Alors, les missions. Liste des missions. Et on a que la 13. Du pétrole brut s'échappe d'un site occupé par les forces locales pour arrêter la fuite. Fermez la pompe de transfert, détruisez le réservoir séparateur pour l'eau huileuse avec des explosifs. Il va me falloir des explosifs du coup. Est-ce que je peux pas... Attendez, avant... Il y a peut-être moyen de faire recherche et développement. Armes, objets. Je crois qu'il y avait du C4. Hein. Il y avait du C4, leurre, bouclier, grenade, C4. Nickel. Development project has been added. C4 équipé pour cette sortie, oui. Après les boîtes, dispositif Fulton. Mais je l'en ai déjà, pourquoi? Ah, parce que je le passe en 2 étoiles. Bah bien sûr. Je peux même l'améliorer encore. Sonar actif. Permet de l'écolocalisation pour repérer des ennemis, des prisonniers ou des animaux. Émet des ondes sonores que les ennemis peuvent remarquer. Ah mince. Précision. Quitté. Ah. Et après, c'est des tenues d'infiltration. Ah bah, je le fais direct. Et comment on fait maintenant? Please specify a project. Ah, j'ai toujours pas. Hélicoptère, je vois pas l'intérêt. Please specify a project. Ouais. Donc là, on est aux missions. Et c'est parti. Alors, au niveau des armes et tout, sélectionner l'équipement, objet. C'est quoi ça? Vision nocturne, lunettes de vision nocturne. Ok, pourquoi pas. Ah non, c'est ce que j'avais, ok. Donc les objets, c'est pas ça. Par contre, outils. Ok. Arme de soutien. Ah, c'est là. C4. Ok. Donc là, on est bon, hein.
Normalement, c'est bon. Deploying. Dès que possible. C'est parti. Bon, vous m'en voudrez pas, je... Vous voyez, j'ai un petit sac. Je viens de me faire un petit sandwich. Came from Intel. The target is Angola's Mfinda oil field, upstream from the landing point. A spill has covered the whole area in crude. A pipeline that crosses the Muneni River failed, and now the shore's a mess. Not to mention the villages downstream have no drinking water. The oil runs to the pipeline from that facility. Taking it out should end the leak. The client this time is an environmental NGO. Destroy the facility. Stop that leak. This may seem like straight-up philanthropy, but there's another reason we agreed to it. The Mfinda oil field was outdated. Abandoned. Then the rebel group UNITA moved in, taking it upon themselves to kickstart operations. UNITA's been rapidly modernizing its arsenal. Rumor has it someone's been selling them U.S. military hardware. Intel's analysis suggests the broker's a front company, Cyphers. Keeping tabs on UNITA could tell us who's pulling its strings. Attendez, là, on est dans une nouvelle map. C'est une nouvelle map, ça, non? Ok, c'est une map spéciale. Par contre, j'ai pas changé ma tenue. Okay. Donc là on arrive dans les favelas. Le bateau là-bas il sert à quelque chose? J'ai envie d'aller voir à l'intérieur les gars. Oh.
Et un diamant. Je sais absolument pas où je vais, les gars. J'y vais au feeling. Mince. J'ai l'air d'avoir un passage, mais il n'y a personne qui défend. Ah non, je me suis fait des idées là. C'est quoi ce rassemblement là-bas là? Ah. Bon, ça fallait le dire d'entrée de jeu. Hein. Ok. It's digitalis. It's toxic, but it can also be used as medicine. Je ne sais absolument pas où je vais. Hein. Personne. C'est bizarre un peu, non, qu'il y ait personne. You've made it past the village. Continue heading for the oil facility. It's located upriver. Enemy presence detected. Extraction arrived at mother base. Bon. Ça va pour l'instant, hein. Pas trop compliqué, juste la marche est longue. Ça va pour l'instant, hein. Pas trop compliqué. Ah, des fois le jeu il est comme ça, hein. Mais ça m'étonne pas, hein, venant du gars qui a inventé Death Stranding. Mètres, 70 mètres, 60 mètres. You have arrived at your destination.
stop the leak, you need to shut down the oil transfer pump and destroy the oily water separator tank. The details are on your iDroid. Il a l'air repéré 18 000 ennemis. Clairement, il est à l'intérieur du bâtiment, lui. Il va aller repérer tout le monde, quoi. La gauche m'a l'air beaucoup moins sécurisée que la droite, quand même. Mais la droite, c'est des bâtiments, donc ça veut dire qu'il y a sûrement des ressources. C'est plutôt alléchant. On dit pas que le mec il court pour aller se mettre à l'abri. Il a couru pour aller dans le bâtiment, les gars. Puis, je vais le fumer. J'en ai 24. Ah ouais, d'accord. Subject on board. Leave the rest to us. Ok, ok, c'était risqué ce que j'ai fait. Normalement, il va pas me trouver là où je suis. C'est moi ou ils sont l'un dans l'autre, les gars, là? Go. Des fois, faut prendre des risques. Ok, j'ai chaud. Mais attends, c'est où là? C'est là-bas. Ah ouais, d'accord. Ouais, personne qui va le trouver ici. Hein.
Allez, dépêche, 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 dépêche. There's the transfer pump control room. The emergency stop button is probably inside it. Putain. Je suis trop con. Non. Clouds approaching. Il trouve le cadavre, je suis foutu. Là, ça va déclencher tout. Il arrive, hein. À son rythme, mais il arrive. Il s'est arrêté là? Ah, c'est dégoûtant. Ah oui, non, c'est mince. Donc là, je dois aller jusque là-bas. Évidemment, sans me faire voir. Merde, je me suis loupé. Ça faut vraiment être au taquet, hein. Oh, non,
C'est la merde. J'espère qu'ils vont pas fouiller ici. Ils ne pourront pas me toucher d'ici. Hein. C'est quoi, Y? Ah, d'accord. Je sais pas combien de temps on va devoir attendre, mais je peux pas me taper autant de mecs. Hein. Je vais pas pouvoir tous les endormir. Hein. Combien ça dure de temps? Vous savez pas où. Qu'est-ce qu'il fait, mon toutou là? Putain, ils m'ont vu en fait, hein. Ok, bon, bah, on va devoir se battre, hein. Oh, l'échelle était mort, mec. Comment je vais faire? Allez, en mode commando les gars, en mode commando. Il y a beaucoup d'adversaires, j'ai pas beaucoup de balles. Lol, l'autre sur qui j'ai tiré avec le flingue, il s'est endormi. Vas-y, descends, descends. Encore? C'est où que je dois aller déjà? En haut? Allez, 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 allez. Ok, la porte est ouverte. C'est quoi ça? Ils ont lancé un flare dans le ciel pour me repérer? Mais ils sont même pas là. Alors là, je suis exactement où je dois être. Le problème, c'est qu'il y en a un qui me tire dessus, je sais pas d'où. Bah attends, ça va être plus simple, hein. On y va au snipe. Allez, tiens, prends ça.
explosives. Got any C4? Arrête de bouger. Non, mais ça c'est abusé. La tête elle a bougé au dernier moment. Ah, il s'est bien caché, hein. Ok. Et là, je suis censé faire quoi? Je suis censé mettre du C4 ou je sais pas, non? C'est de l'autre côté? Non, je sais quoi. C'est quoi déjà? Ah, voilà, c'est ça. Comment je fais pour le faire péter ce truc là? Fermer la pompe de transfert de pétrole. Ah, faut juste la fermer, d'accord. Oh bah. On va reprendre même le. Alors la pompe elle est là. Et je vois pas comment la faire. Ah là, ok. Je crois que je vois l'idée. Va falloir la suivre en fait. C'est le tuyau jaune. Je pense qu'il faut le suivre. Ah. C'est bien ce tuyau là, non? Là on suit. Ah, attends, en bas. Ici, là, il n'y a rien, non? Non, il n'y a rien du tout. Hein. Par contre, il se rapproche. Je vois pas c'est quoi mon objectif. Parce que j'ai déjà appuyé sur ce bouton, mais... La pompe de transfert, elle a été arrêtée là, non? C'est pas un bug? Ah, le réservoir séparateur, faut que je le détruise. Alors là, par contre, ils arrêtent sur moi. Bon, détruire la pompe séparateur, comment je fais? Faut que je tire dessus? C'est pas ça, hein, on est d'accord. On rend pas mon objectif, c'est un peu dommage. C'est pas ça la pompe séparatrice? Pourtant c'est ça qui me montrait au début. Attendez. Je vais tenter le C4. Ok. À bonne distance, hein, parce que là... Boum! C'est qui lui?
Oh. C'est moi où j'ai vu des lance-roquettes? Il a décidé que je devais aller dans les tuyaux alors que pas du tout. C'est pas ce qu'il faut faire. Et je perds du temps. On y va toujours au feeling, hein, les gars. Là où il n'y a pas d'ennemis. Voilà. Ils vont vouloir. Logiquement, ils devraient tous se retrouver à la pompe. Hein. Et moi, je dois aller où? Quitter la zone de danger. Bah, let's go. On va y aller au feeling. Donc, c'est pas. Le feeling, il est pas bon. Hein. Je suis pas allé dans le bon sens. Merde. C'est pas grave. S'il n'est pas grave du tout. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Bon, vous m'attraperez pas comme ça. Hein. J'ai quand même couru comme ça. Contre des zombies qui s'envolent, qui sont surpuissants et tout. C'est pas comme ça que vous allez m'avoir, les gars. Alors, ça pour fuir, je sais faire, les gars. Et tout droit, c'est souvent le meilleur moyen. Mais jamais courir en ligne droite, par contre, les gars. Toujours en diagonale de votre adversaire. Ok, là, si je suis l'eau, ça devrait être bon. En fait, ce qui a contaminé l'eau, c'est une tonne de cadavres. C'est terrible, mais du coup, ils ont plus d'eau potable. Allez, Dog Dog, suis-moi. Ça a l'air d'être bon. Mission complete, boss. Development project has been added. Casier à munitions, chargement auto. Canon Gatling. Pas mal. B, dommage, en fait, si je m'étais pas fait voir et que j'avais pas pris des dégâts, j'aurais eu beaucoup plus que ça. Let's go. Est-ce qu'il y a une petite cinématique? Started the facility all the while pretending they were the victims. One other thing. Saner's Johannesburg head office is just a room in a multi-tenant building. Company's essentially non-existent. 3 years ago, that investment fund stepped in and started gutting it through a series of mergers and sell-offs. And get this, the fund itself no longer exists either. It's a shell corporation. Meaning someone is just using Saner's name from the shadows. But what about those strange corpses? Just what the hell were they doing over there?